L'heure est très grave, les amis. L'heure est absolument très grave. Je viens de me faire péter le cul par un bot. Par un bot. Bon, les refs. Là, les refs, on va partir sur une game carré, clean, zen. Voilà, je vais aller là. Faut que je fasse gaffe à mon bac à tout prix. Et donc là, je chope tout en gris, ok. Impeccable. Ah, celle-là, c'est de la vraie merde. Un perso, j'aime pas. Tout le monde aime bien, mais j'aime pas du tout. Voilà, tu vois le truc là? Il te laser à travers les trucs, gros. Je veux bien, mais il y a un moment. C'est quoi ça? Ah, voilà. Je sais pas c'est quoi ça, on va pas se mentir. Par contre, tout ce que je sais, c'est qu'il donne du loot. Oui. Ah, une capsule en or. Ah, là-bas, tu vois, il y a le sabre en final. Donc, voilà. Mais... Je sais pas si tu le fais tomber le sabre. Ah non, tu le fais pas tomber. Si, tu le fais tomber. Pardon, j'ai rien dit. Je le prends, je le prends pas, je le prends pas. Non, je le prends pas. Ça va ramener du monde. Clairement ramener du monde. Ça passe ce temps-là, pouvoir faire. Ah, j'allais dire, frère. Il y a un moment donné, il va falloir prendre tes balles, les gars. Eh, ça commence à me péter les couilles. Ouais, donc là je suis baisé là. Ah, plus de ça, je suis une cible, ta grand-mère. Là-dedans, là, y'a pas un truc où je peux prendre de la vie là? Allez, évidemment que non, évidemment. Ok, donc là, actuellement, j'ai plus de vie. Moi je peux pas choper un peu de vie là. Oh, là-bas il y a une pote. Oh, il y a une pote. Ah, j'aurais pu faire finir la pote avec ça, mais tant pis. Ok, on n'est pas dégueu. On va pas se mentir, j'ai encore failli me la prendre dans le cul. Hein. Voilà. Faut dire les termes quand même. Hein. Ok, donc là-bas, il doit y avoir un ou deux. Ouais, une ou deux personnes sûres. Là-bas, t'as forcément... Voilà. Forcément une personne. Ok, putain, j'avais deux clés, j'ai pas vu, j'aurais pu prendre un pompe exotique ou quoi. Là, je suis menace 1, donc ça veut dire que... Ok, ok, bon. Me tataille dans le château, mais je pense qu'il y a quelqu'un là-bas. On va y aller quand même, c'est pas grave. Par contre,
Par contre, c'est un truc de défense de ouf, l'histoire des... Ok. Ah, écoute, j'ai le spaz, je vais l'enlever. Bugué là, je crois que c'est un ennemi, wesh. Ok, donc on n'est pas dégueu là. Faudrait que je me tienne dans une zone. Ah, ok, j'ai bien ce que j'ai vu, j'ai pas rêvé. Pique, hein. Désolé frère, mais bon, c'est la voie du plus fort comme on dit. Voilà, là ok. Bon là je suis pas dégueu. Enfin, pas dégueu si j'ose dire. Il reste 4 personnes, il en reste 10. Ok, il en reste 10, j'ai 5 kills, c'est pas une partie de ouf, mais ça allait pas dégueu non plus pour autant. Il y a forcément un ennemi que je vais choper ici tout de suite. Parce que là, je suis encore menace pendant 2 minutes, là. Alors, la zone, elle va vite se rétrécir. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir mon écho. Ok, donc là, il reste 10 personnes, c'est bon. Ok, je suis à 100. Bon. Pas trop le temps de rester là parce que s'ils prennent la hauteur avant moi, je suis mort. Il y a forcément quelqu'un sur l'île là. Bah ouais. Tant que ça se joue pas au soin, ça me dérange pas qu'il soit sur l'île. Ok, là-bas il y a encore du fight. 9, 8, 7. Donc ça veut dire que. Si je prends le top là-bas, il y a moyen que j'en prenne au moins un au snipe, hein, en vérité, les gars, on va pas se mentir, il y a moyen. Bon, on va voir. Sachant que j'ai ma colonne. Faut juste pas que j'en ai un dans le cul, en fait. Si j'en ai un dans le dos, c'est mort. Ok, il y a l'air d'avoir beaucoup de fights là-bas. Ok, là-bas, il y en a un. Non, il n'y en a pas un. Une fameuse tourelle là-bas. Ok, en moins. Ça veut dire, il tirait là-bas, il tirait pas là-bas pour rien. Il m'a pas vu ce clodo. Quoi? Attends, mais le mec il... Quoi? Mais gros, j'étais en train de... Mais ça me dégoûte, mes mouvements de merde. Il y avait 2 PV. Ta grand-mère. Oh, ça me dégoûte. Il y a 2 PV. Ça veut dire ce clochard, il va se faire enculer. Ça veut dire que je l'aurais ken. Regarde-moi ça. Oh, allez. Vas-y, on va regarder un peu. Ah ouais, il a pris mes trucs, forcément. Il est pourri, wesh. Ses déplacements sont dégueux aussi, hein. On va pas se mentir. Il a lâché le laser pour ça, là. Ah ouais, d'accord. Putain, il en reste 3, non. Juste j'avais anticipé qu'il y en arrive un dans mon bac. Oui, je suis con, ça paraît logique, il courait le kemé, alors qu'il m'avait vu. Ça veut dire qu'il se faisait déjà poursuivre. Bah ouais. Vas-y, je veux juste te voir jusqu'à la fin là.
Juste voir si j'ai encore eu de la chance ou si le gars c'est un pro gamer. Enfin, s'il a encore eu de la chance, le putain d'ennemi de merde. Ah, regarde. Bah ouais, guignol. Va te faire tartiner l'oignon. Wesh. Ah ouais, ça veut dire il jouait. C'est lui depuis tout à l'heure, il jouait avec les tourelles là. Moi je one shot au snipe, je me casse les couilles, lui il met la tourelle, voilà, c'est la fête du slip. Hein. Ah, il y a vraiment beaucoup de chat. Il hein. Y a réellement beaucoup de chat. Regarde-moi ça! Ça me nique ça! Bah ouais, ta grand-mère, bah ouais, c'était obligé. Et puis il va reprendre sa tourelle s'il peut là. Ah non, quoique, bah non, il a pris ça, c'est mieux. Ah ouais, pour se barrer. Ouais, ils se sont vus, je crois. Il est derrière le rocher, je crois. Ah, t'as pas l'avantage là, mon grand. Mais vu que t'as les ballons. Voilà. Oh là, t'as merdé. Voilà, tu vas te faire enculer. Voilà, tiens. Allez, ciao dans ta gueule. Bon voilà, mes frères, je vous dis bon visionnage, c'était Hyper Axel. Peace.